salut les cuistots, bienvenue dans la cuisine de Nana avec Fiofio. Salut. Allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui du coup, Nana? Quelle est ta recette? C'est la tienne en fait. Ah, c'est la mienne? Un pain d'épices. Oh, ouais, c'est trop bon ça. Et ça c'est quoi? C'est un pain d'épices, c'est pour la sambar. Sambar? Ouais. Ok, donc quels sont les ingrédients du coup? Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Lait. Ouais, les d'amandes. Les végétales, ouais. Ou pas les végétales, c'est toi qui choisis. Levure chimique. Les œufs. Les œufs. Il y a deux sur la boule là. C'est quoi ça? C'est de la farine. Ouais. Du sel. C'est un mélange d'épices, à peine d'épices. Et bien sûr le fameux miel. Et le miel. Mais tu peux aussi remplacer par du sirop d'agave. Après t'as pas le goût. T'as moins le goût. Voilà. T'as rien du sucre. Un moule à cake. Ouais. Et de l'huile neutre pour badigeonner, pour pas que le pain d'épices approche. Ok, super. C'est bon, si t'as tout ça chez toi. On va pour le pain d'épices. On préchauffe le four. 180 degrés, on préchauffe, d'accord? Bon, allez, quoi. On casse les œufs, tiens. On met tout? Tu sais que. Oui. Non, ça se casse. Alors... Look at me. Look at me. Bravo. Ok, une fois qu'on a cassé les œufs, ouais. On va mettre 110 ml. Écoute. Et du coup, ça va pas de 10 à 10. Donc les 10, ils vont être au-dessus. T'as pas contracté ton cuisson. Je prends mon petit sac. On va rajouter le miel. C'est là. Vas-y, continue à battre, genre je connais. Non, attends. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce qui se passe là? Tu mesures. On mesure. Pardon, je sais pas pourquoi. Non. Je suis fatiguée, ça va. Oh oh oh. Donc là, elle a vidé le four. Tu regardes? J'adore, c'est une Rayman, tu vois. Rayman le pistolet. Comment il s'appelle le pistolet? Il y en a plein. Celui qui a la même voix que moi, c'est pas moi qui ai la même voix. Ah, c'est Ignac. Yeah. On y va, c'est parti. Et tu bats là, comme ça. 250. Super. Vas-y, fais-toi plaisir. La levure chimique. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? La levure chimique, c'est pas très dur. Oui. C'est quoi? On va l'aérer. Un petit peu de sel. Une cuillère à soupe. J'ai besoin de la levure. La levure, c'est que normalement, quand on est un gros buteau, on tamise sa farine derrière. Non. Après, on est au point de finesse. If you want platers, Fiona a fini. J'ai le bras. Allez. Oh! C'est bon, t'es bombé. Est-ce que c'est bon là? Oui. Le sale. Ouais. La rage de la forme. Moi? Oui. Allez, on va partout. L'étape délicate. Dans ton four. Dans ton four. 30 à 35 minutes. En fait, tu pointes, voilà, tu enlèves ton couteau au milieu. Et la préparation ne doit pas remonter. C'est ça. Le couteau doit être nickel. Ouais. Et 30 minutes après, on va sortir notre pain d'épices. Notre bébé. Notre bébé. Popopo. Alors, voilà. Alors, quand elle fait le popopo, ça veut dire qu'elle le remue comme ça et il sort.
Il sort tout seul. Tu veux sentir? Est-ce que tu veux sentir? Vas-y, sens. Ma chaîne va tomber. Donc ensuite, on a juste à le démoler, le présenter dans un plat. Le démoler. Le présenter dans un plat et ensuite le déguster. N'hésitez pas à mettre des questions juste en-dessous. Si vous avez réussi et vous avez aimé, vous nous mettez un petit pouce. Une petite photo aussi. Une petite photo, n'hésitez pas. On se retrouve sur une prochaine recette. Restez, je crois qu'il y a le bêtisier juste après. Salut les amis! Alors, c'est un pain d'épices, tu peux le manger sucré à 4 ouais. heures chez les sportifs avant d'aller à l'entraînement. Mais moi, je l'aime salé en fait. Salé, d'accord. Avec une tranche de foie gras dessus. Ouais. Et ben oui, parce que les fêtes approchent, donc moi je suis d'accord. Pain d'épices acte 2. Anticipation. Voilà. Vas-y, Non. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, les matchs. Alors. Normalement, si t'es un bon chef, c'est d'une main que tu casses la fille, que tu... T'as un autre cas? Oui. Et de ta main, il y a un mauvais sang. Non. La carotte. Sinon, c'est les deux. Sauf que le nez, il est gentil et il est pété. Voilà. C'est pas la différence. Pousse ton petit cul. Elle parle là-bas. Sinon, si elle parle là-bas, elle dit, pousse ton bouche. Ok. Ça fait quoi, ça? Ok. J'aurais que les prix soient d'une d'un trait, parce que sinon, c'est charmé. Okay, alors vous avez, comment ça s'appelle ça, Nana Doser? Ouais, Nana Doser. Nana Doser, après par contre son checker, son checker de sportive, voilà. Avec ça. Je dirais que ça ferme, tu vois. C'est une cabine. Allez, encore un peu. Tu sais ce qu'on va faire? Tu mets les... Je sais pas. Je sais pas. Mis un peu beaucoup, hein. Mais non, je suis là derrière. Ouais, mais... Tu voyais, je sais quoi. Et bah, c'est où? Moi je marche tout seul. En bas du jambe. Pour pas que ça accroche. Je vais bien voir, hein, fini. C'est ta femme qui va être contente. C'est ça. J'aime pas ça, ce que je pense. Ouais, j'ai envie de lécher. Ah non, pas ça. Tu sens que ça vient là? Non. J'adore être observé. Et pour le meilleur? Mais nous, je pense qu'on va, se déguster. Et du coup, le manger froid plutôt. Oui, le manger froid. Ah non, c'est pour moi. Nous, moi, j'aurais mieux, je me fais les poils et... Et on s'abonne jamais au pic que j'ai. Si, on ne l'a pas dit, tout ça. Tiens, je ne l'ai pas dit, ça. Ben ouais. C'est pas mal. Abonnez-vous. Et abonnez-vous. Bien sûr. On a pas bien.